You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre incroyable aventure sur Prey. On est en pleine tension, en pleine pression, puisqu'on est en train de s'échapper. Souvenez-vous, les amis, de cette zone de stockage, puisqu'on a été enfermé, je vous le rappelle, par notre frère. Et on a réussi à trouver un moyen de s'échapper. Donc, on va pouvoir continuer notre aventure absolument incroyable. Je vous le remontre. Restauration, échappez-vous de la zone de stockage et... fabriquer votre clé d'armement qui se trouve dans l'arboretum. Donc les amis, on est parti. N'oubliez pas le pouce bleu parce que cet épisode risque d'être fort incroyable. C'est parti, panneau d'accès maintenance, le bouton et on est tipard. Je commence à avoir le flair hein, pour mes débuts d'épisode. Hein. Je savais à quel moment je devais m'arrêter dans le dernier épisode. Incroyable. Allez, c'est fou ce qui vient de se passer. Microgravité détectée. Ils ont peur. Et si on l'anesthésie ? Non, rien ne doit perturber la formation de souvenirs. Ok, d'accord. Allez, nous sommes maintenant dans une microgravité. On vient de se faire éjecter en fait dans une capsule, hein, si je dis pas de bêtises. Alors est-ce que je peux passer par là? Bah non, puisque c'est de là que je suis censé venir. Il faut que j'aille où là en fait? Attendez, on va analyser parce que là je me suis peut-être un peu enflammé. Je suis censé sortir où les amis là? Ok. Je suis débile peut-être? Attendez. Ah! Là, bien sûr. Ok, nous voici dans l'espace. Morgane, ici le chef Elazar. Les sas sont fermés sur Talos, mais il y a une ouverture dans la zone de fret que vous pourriez utiliser. Je pense que vous pourriez retourner dans la station à partir de là. Alors, la tête à l'envers, atteignez la zone de fret. Attendez, je suis en train de me chier dessus. Là-bas, il y a une... Vous savez, les... Oh, c'est incroyable. J'adore l'espace, donc quand je vois ça, ça m'excite là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est incroyable. On vient de s'éjecter d'où là? Oh, regardez la terre. On vient de s'éjecter de là. De là, il me semble. Je suis vraiment en train de dévier là. Alors, colmater la brèche, zone de fret, objectif multiple. C'est pas ça. Ah, attendez. C'est magnifique, hein. C'est absolument magnifique. Atteignez la zone de fret. Voilà, c'est ça. Zone de fret, zone de fret, zone de fret. On l'a vu juste avant. Là-bas. Allez, c'est parti. Alors attention, il y a les cystoïdes là qui réagissent au mouvement, qui sont en train de se promener dans l'espace inouï de l'amour. C'est magnifique. Je vous jure, j'aimerais trop aller sur la lune. Morgane, je me demandais si vous étiez perturbé par le fait d'avoir organisé votre propre mort. Ce n'est pas facile comme situation. Si je devais vous donner un conseil, ne pensez pas à ce qu'il va arriver. Concentrez-vous sur la prochaine étape, une chose à la fois. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Tu fais bien de me le dire parce que c'est mon plus grand défaut, c'est de m'imaginer tous les scénarios possibles et inimaginables. Donc une seule chose à la fois, bien sûr. Tiens, on va se promener un petit peu là. Cadavre humain, tiens, on va aller voir ce cadavre humain. On va se promener un petit peu. Hop. À tout moment, on croise un monstre de ouf. Mais on va se promener si déjà on est dans l'espace. Donc là, c'est verrouillé, ça sert à rien. Oh, un technopathe. Bien vu ça. Bien vu. On va éviter de le titiller. Ah yes. Bon bah voilà, comme ça c'est fait. Superbe. Ah ouais, non mais t'as le temps de rien faire en fait. T'as le temps de rien faire. On va essayer de se barrer. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Emu, vous étiez hors de votre cellule. Peut-être une tentative d'évasion. Comme moi, c'est dangereux dehors.
Mais ça, vous le saviez déjà. Vous avez des migraines, des visions. C'est pas la fièvre, ni des hallucinations. Un horizon approche, traversant l'espace. Et si nous sommes toujours là à son arrivée, il hurle si fort. On l'entend dans nos têtes. Il est encore loin, mais il se rapproche à chaque minute. Il dévorera votre prison, chaque personne à bord, et il aura toujours faim. Quelle sera sa prochaine destination? Je sais pas. Nous nous reverrons bientôt dans votre prison, Emu. C'est un fou ce mec, hein. C'est vraiment un fou ce mec. Will Mitchell. Alors j'aimerais vraiment voir le cadavre humain quand même là. Il y a le technopathe qui nous fait des misères là, mais... Il est en train de s'éloigner visiblement. Ouais. Allez, on va aller checker le cadavre humain. Qui est-ce? Mike. Et comme ça on récupère des pouvoirs psy. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, direction la zone de fret les amis. On avance. On s'élance. Alors... Par ici, c'est quoi tous ces petits points verts là? Pourquoi il y a des petits points verts? Colmater la brèche de la coque. Tiens, c'est un objectif secondaire ça? C'est un objectif secondaire. Comment on peut faire ça, tiens? Ah, mais les points verts, c'est les cadavres. Alors, déjà bonjour. Ok, on t'a déjà fouillé toi. Comment je colmate ça en vrai? Eh, mais attendez. Hop! Hop, et hop, et voilà. Un petit objectif secondaire de réaliser. Ça fait plaisir. On dit pas non. Votre combinaison. Mince, j'ai perdu mon objectif principal. J'ai perdu mon objectif principal. Et j'ai la tête à l'envers. Zone de fret. Par ici. Très bien. Bon, t'as vu, on fait des petits objectifs secondaires en même temps, donc c'est plutôt sympathique. Ici le docteur Dayo Igwe. Ceci est un appel à tous les contacts à proximité. Je vous en prie, qui que vous soyez, écoutez-moi. Je n'ai plus d'oxygène. Je n'ai pas de combinaison. Un accident dans la zone de fret m'a contraint à m'enfermer dans ce conteneur. Mais je n'ai aucun moyen de m'amarrer de nouveau à la station. Sauver le docteur Igwe. Comment veux-tu? Comment veux-tu que je le sauve en 6 minutes? Je sais même pas où il est, moi. Amarrer le conteneur du docteur Ivre. Non mais attendez, là les gars, y a trop d'objectifs. Parce qu'on a la zone, on a l'objectif principal, atteindre la zone de fret pour voilà, obtenir la clé d'armement. Et on a docteur Ivre, amarrer le conteneur, trouver le numéro de conteneur. Est-ce qu'on essaye ou pas? Aucune donnée, let's go, magnifique. Magnifique. Alors c'est ce qu'on va faire. Ça je laisse, ça j'enlève, ça j'enlève. Non, ça je laisse, j'enlève, j'enlève, j'enlève. J'enlève, j'enlève. Je décoche toutes les missions là, sauf les facultatives et principales importantes. Et comme ça, ça va peut-être m'aider. Bonjour. Clé d'autodestruction. Oh, il se passe trop de choses. Je vous vois, Morgan. Nous avons verrouillé la zone de fret. Nous sommes en sécurité. Pour l'instant. Ça va être difficile d'entrer. Il n'y a plus de sas. L'explosion l'a détruit. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec les conteneurs. Alors attendez. Parce que là, j'ai trouvé son conteneur. J'ai trouvé son conteneur. Mais il me faut un code que je peux craquer. Je peux craquer le code. Magnifique. On va pouvoir le sauver facilement alors. Ça me paraît trop simple. Ça me paraît trop simple. Ok. Très bien. Attendez. Attendez, mais vous faites quoi? Arrêtez. Arrêtez. Quoi? Oh non. Oh non. Oh non. Je suis désolé. Je suis désolé. Ici le docteur Dayo Igwe. Voici mes dernières pensées. Je suis à court d'oxygène. Il ne me reste plus que quelques minutes. J'ai cru détecter le passage de quelqu'un. Mais ce n'était que l'écho de mes espoirs, qui disparaissent avec moi. D'abord, pour le corps scientifique sur Terre, mes théories étaient correctes.
La psionique est possible et les banques de données de Talos le prouveront. Ensuite, nous ne sommes pas seuls dans cet univers. J'ai quitté Talos en raison de ce qui semble être une manifestation extraterrestre. Il présente des capacités physiques d'un niveau... d'un niveau que je n'avais même pas envisagé. Si seulement... Maya, j'aurais aimé que tu vois ça. J'ai rencontré Leitner, tu sais. Ses aptitudes... J'aurais pu jouer pour toi. Mais... tout a disparu. Comme toi. C'est au tour de l'équipage de la station. Ils sont si nombreux. Quel dommage. Je présume que ce sarcophage dérivera indéfiniment jusqu'au point de Lagrange. Mais je ne peux pas en être certain sans connaître la masse exacte de Talos. À quoi ressemblera la Terre lorsque les cendres de mon retour dans l'atmosphère se disperseront à la surface? Voilà, c'est l'histoire de ma vie, ce qui vient de se passer. Je suis vraiment désolé. Je voulais aider le gars. J'ai pas réfléchi. Voilà, j'ai pas réfléchi. Je l'ai tué, tout simplement. C'est un plaisir. C'est l'histoire de ma vie. Je suis désolé. C'est incroyable. C'est... voilà, c'est mon talent. C'est mon talent. Attends. Voilà, allez là-bas. Voilà, on va faire gaffe à ça. Pardon ? Ils vont où là? Je sais pas. Dégagez. Oh non. Adieu. Oh non. Il me faut un truc là pour les... Là, une chaise. Ok. Hop. Allez là-bas. Voilà. Allez péter. Voilà. Ça dégage. Bon, on a un cadavre encore. C'est parfait. Un fusil à pompe. Ok. Hola, bonjour. Adieu. Je me chie dessus. Ah, ça fait chier, purée. Comment j'ai fait pour foirer ça? Pourquoi je lui ai ouvert la porte? C'était logique, on est dans l'espace, il a pas d'atmosphère. Moi, je croyais qu'il avait de l'oxygène, moi. Moi, je pensais qu'il avait une combinaison qui suffisait de lui ouvrir. Je suis vraiment navré. Je suis vraiment navré. Alors, vous allez vous calmer, les enfants, là? Je suis en train de crever calmement. Alors, c'est pas bien grave, hein, vous inquiétez pas. Puisque je peux tout simplement réparer ma combinaison. Alors déjà, je vais utiliser ça, là, les pouvoirs psy. Je vais réparer, voilà, ma combinaison. Ma santé, me semble-t-il que j'ai des soins que je peux manger. Me semble-t-il. Si je ne suis pas fou. Attendez, j'avais bien des trucs à manger. Ah, voilà, là. Antirate, bon, ça c'est bon, mais... Voilà, la banane, on garde la banane, un petit peu de bonbons, voilà. Ah! Mais il sort d'où, lui? Il est sorti d'où, là? Bon, ça c'est pas grave. On régène. Alors, il y a un bouton ici. Je pense... qu'il ne sert à rien. Caisse de ravitaillement. Voilà, on a plein de belles choses. On a plein de belles choses. Je suis en train de me chier dessus. Et je suis censé aller où là? Morgane, plus je pense à cette idée de conteneur, plus je pense que ça pourrait marcher. Essayez de voir si vous en trouvez un en bon état qui pourrait faire office de sas de fortune. Bien sûr. Je récupère juste des belles choses là, d'accord? J'ai même débloqué une nouvelle puce. Assistant, régénérez votre endurance plus rapidement. Bon, écoute, j'ai de la place. Augmente la vitesse de glisse du système de propulsion, accélère les mouvements et la vitesse de visée. Ça, c'est pas mal, ça, pour se déplacer plus vite avec les systèmes de glisse, là. Ok, me voici au niveau du panneau de commande. Oh, transcribe, on écoute. Jessica, t'aurais une minute? Je suis de repos. Ouais, mais tu pourrais me redonner la procédure d'amarrage des conteneurs? J'ai loupé la session de mise en pratique. Grant. Oh, pitié, si je demande encore à Gus, il va péter un câble. Tu te trouves au poste d'amarrage des cargaisons? Oui. D'abord, commence par rentrer le numéro du conteneur que tu souhaites amarrer. Et je le trouve où? Bah, regarde le conteneur, Grant. Il est peint à l'extérieur. Une fois le numéro saisi, plusieurs options doivent se présenter. Sélectionne amarrer, c'est tout. Le conteneur s'amarre tout seul, c'est ça? Oui, Grant. Il s'amarre tout seul. Ils sont autopilotés. Et j'imagine que la commande ouvrir sert à ouvrir le conteneur. C'est ça. Mais on peut jamais ouvrir les deux extrémités simultanément. L'intérieur de la zone de fret reste ainsi pressurisé. Même lorsque les portes extérieures sont ouvertes.
Ok, je crois que j'ai compris. Merci, Jess. Jess ? Hey, y a quelqu'un ? Ok, salut. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. J'aurais pu sauver le conteneur. J'aurais pu sauver le gars dedans. Et moi, je lui ai ouvert. Voilà, parce que je suis nul. Et j'ai pas envie de recommencer, j'assumerai évidemment mon erreur. Hein. Je suis dégoûté. Amarrer un conteneur. Ah, je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu s'amarrer, tu sais. Voilà, ça c'est fait. Ouvrez et entrez dans le conteneur, très bien. Allez, on y va. Et là, j'aurais pu le sauver, quoi. J'aurais pu le sauver, quoi. Sérieusement, quoi. Allez, on rentre dedans. Voilà. Et du coup, ça fait un petit sas et je peux rentrer dans la zone de fret. C'est incroyable, je suis dégoûté, voilà. Je suis dégoûté, je viens de tuer un survivant, tout simplement. Voilà, un survivant qu'on aurait pu sauver. Je pense que je vais pas m'en remettre et que je vais y penser très longtemps, si vous voulez mon avis, et vous aussi, d'ailleurs. Oh non. Oh ! Wesh ! Austin, cool ! Je te vois, t'inquiète. Je te vois, mais... De ce que je vois, t'es pas tout seul. De ce que je vois, t'es pas tout seul. En effet, on a un fantôme là-bas. Alors... Docteur Yu, Morgan, là-haut, c'est l'officier cool. On peut pas ouvrir la porte principale, sinon ces saloperies vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. D'accord. À la cool, hein, tranquille, hein. On va faire ça à la cool. Ils sont beaucoup trop nombreux. Évidemment, on va pas les affronter. Vous vous doutez bien. Montez sur la passerelle. Oh là, eh oh, tout doux la bête, hein. Tout doux la bête. Montez sur la passerelle. Ouais. J'ai capté, mais j'attends juste que personne me regarde. Non, je peux même pas faire ce que j'imagine. Bonjour. Là. Bah. Impeccable. Je sais pas s'il voit ma lumière par contre. Ok, le fantôme a déjà perdu de la vie, je sais pas pourquoi. C'est un peu bête. Hop, ça je prends. Bon, j'allume la lumière, mais je préfère l'éteindre de temps en temps. De temps en temps. Car je ne sais pas s'il voit ma lumière. Ouais, juste au-dessus. Oh. Voilà, désolé, on voit pas grand-chose. Évidemment, fallait qu'il descende, ce fantôme MDR. Hop. Voilà. J'essaye de... d'aller à l'opposé de eux. Ouais, mais ils arrivent à venir quand même. Là, on a un destructeur d'opérateurs. Matériaux synthétiques. Et là, on a une porte. On a une porte qui est verrouillée. Ok. Allez. Ok, ils sont tous les deux là-haut. Ils sont, ils perdent la vie, lui, hein. Bon, sauf le photo, le fantôme voltaïque. Photovoltaïque, t'as compris, ouais. Ok, très bien. Comment je fais pour monter, là? Je me chie dessus, c'est bon? Vous avez compris que je me chie dessus? Ils font peur, hein? Ils font peur. Pourquoi il vient sur moi, lui? Bon, il n'y a plus beaucoup de vie, en vrai. Hein. Mais le problème, c'est que... j'ai plus de pistolet silencieux, là. Donc si je me fais cramer... je m'attire tout le monde sur moi, quoi. Bon, faut que j'arrive à monter, quoi. Arrête. Ok. En vrai, si les fantômes, j'arrive à me les faire. Voilà. Évidemment, il y a l'autre qui arrive. Ah non, il se barre. Il se barre.
Donc ça c'est bon, on va faire une petite sauvegarde rapide évidemment. Et on va essayer de monter hein. On va essayer de monter. A tous les coups ça va être verrouillé MDR. Hop, petite glissade incroyable. Mais MDR, mais ouvre-moi salaud. J'aimerais monter sur la passerelle pour rentrer. Ah oui. Ouvrir la porte parce qu'il y a des typhoons dans le coin. Monter sur la passerelle. Ah oui, oui, tu veux pas m'ouvrir, oui, bien sûr. Ça fait sens. Ok. Ah. Alors attendez. Eh bien, salut à toutes et à tous, l'aime compagnie. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Hop là. Montez sur la passerelle, t'inquiète, je gère, regarde. J'ai capté. Par ici. Hop, par là. Impeccable. Par là. Voilà, ça marche super bien. Hop là, la glissade, il a rien vu. On va passer par là. Voilà. Oh là là, par ici. Par là, ensuite. Oh, un cadavre. Diane Washington. Madame, bonjour, merci. Montez sur la passerelle. Bon, on va monter par là. Bon, là, l'idée, c'est de prendre de la hauteur. Vous l'aurez compris. Opérateur à l'approche. Bah, je peux monter là. Mais fais pas l'acteur! Fais pas l'acteur! Monte là! Voilà! Ensuite, ici. Ensuite, ici. Ensuite. Bonjour. T'es pas corrompu toi, non? C'est quoi ça? Une caisse. Modificateur d'armes. Très bien. Ensuite. Là. Pièce détachée. Palette. Je ne peux pas la prendre. Ça, ça m'a l'air bien toxique. Donc je vais passer par là. Impeccable. Là ici, caisse de... Oh là 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 là, kit de secours. Ça fait longtemps qu'on en a pas vu par contre hein. Ça fait longtemps. Allez, on va manger une pomme. On va manger une pomme et on va manger... Je crois qu'il y a encore un truc à manger là, hein, si je dis pas de bêtises, hein, s'il vous plaît. Dites-moi que j'ai... Bon, au pire, je jette... Je jette ça et puis c'est tout, hein, voilà. Tant pis. J'aurais pu recycler, mais c'est pas grave. Bon. Oh, madame. Gérald Wildman. Plan de fabrication pour charge IEM. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que je peux remonter là ou... Cargo control, attends. Ok, je peux monter là. Je peux pas monter là, je me suis fait arnaquer. Allez, on va descendre ici pour voir. Alors, qu'avons-nous là? Contrôle fret. Alors. Alors. Pardon. Pardon. Mais quel est ce bug? Alors, je ne pouvais juste rien faire. Je pouvais même pas me débattre. Enfin. Non, vraiment là? Ah, on respawn là? Oh putain. Allez. Ah ouais, toi t'es supérieur de rien du tout, toi. Allez. Voilà. C'est traître, hein, quand même, ces trucs là. Hein. Ces petites créatures là. Terrible. Cette zone sert forcément à quelque chose. On a des caisses. On va pas en faire des caisses. Là, on peut sortir par là. Fil dénudé, superbe. Rétablir l'alimentation. Et ben voilà. Alors, en soi, ça permet de voir plus clair. Ça permet d'ouvrir là-haut, mais je vais me faire engueuler si j'ouvre. Déverrouiller. Mais surtout, ça va me permettre également de pouvoir me promener. Non, je ne peux pas aller là. Par contre, je peux aller en bas, regardez. Maintenant, je peux aller là. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, par contre, ils vont me voir de ouf là. Bon, l'avantage c'est comment je vois où je dois aller. Je dois monter sur la passerelle tout bêtement. On voit quand même plus clair là. Hein. Qu'en pensez-vous, les amis? Oh, une tourelle. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez, allez, on craque la tourelle. Voilà. Impeccable. Oh là là, regardez-moi ce professionnel. Et là maintenant, je te prends et je vais te poser. Tu vas les dégommer.
Voilà. Tu vas rien faire du tout, toi. Allez, allez, scan. Impeccable. Hop. Oh non. Reste planqué. Ma tourelle a servi à rien. C'est incroyable. Oh non, il vient sur moi en plus. Adieu. Mais genre. Meurs. T'es mort. Ma tourelle était pas si mal en vrai. Tac, je prends. Ça, je ne peux pas. Ok, est-ce qu'il y a des trucs que je peux manger en vrai là? J'ai pas envie de claquer ma santé là. Hein. Par contre, ça. Hop, voilà, parfait. Ah, c'est pas mal. Une petite sauvegarde là. Hein. On va faire une petite sauvegarde. Ok. Là, on a éclaté la face à tout le monde. Je ne sais pas comment, messieurs, dames, mais je pense que ça mérite un excellent like. Ensuite, c'est par ici. Alors. Je rallume la lumière quand même pour que vous voyez un peu. C'est par ici. Et il faudrait aller où là, bordel? Ah, très bien. Par là. Superbe, ça marche vachement bien. Oh bah alors moi je suis vraiment pas malin. Là ici, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je branle? Mais qu'est-ce que je fais? Je viens de gâcher mes pouvoirs et je viens de me faire mal. J'en ai marre, j'ai mis ce clic. J'ai pas fait exprès. Bon, et ben voilà. Monte charge. Et ben voilà. Superbe. Hop. Impeccable. Bah on voit plus clair avec l'électricité hein. Tu m'étonnes. On a une tourelle, modificateur d'armes. Très bien. On peut aller sur la passerelle ici. Oh. Ah. Oh. Émetteur d'onde zéro. Bah ça il faut ça hein. Charge IUM. Allez hop, on dégage ça, tant pis. On prend ça. Parce que mine de rien là. Émetteur onde zéro. Ah j'en ai qu'une seule. Ah j'ai trop le seum. Je crois que j'en avais 7. Et on va aller en face. Voilà, très bien. Là aussi peut-être quelque chose. Un mimique. Attends, je prépare une charge au cas où. Hop là, que dalle. Pièce détachée, très bien, impeccable, rien de plus. Ah tu veux que je monte là-haut en vrai? Tu veux que je monte là-haut? Hop là. Alors à quel... comment j'aurais fait pour monter normalement? Parce que là je suis monté de manière non legit. Hop là. Zone de transit. Bonjour. Bonjour. Vous avez pas l'air en forme. Morgane? Je me disais... je sais plus. Je suis contente de vous voir. Transtar a lancé une opération de sauvetage? J'étais dans la salle de stockage du carburant quand le feu a pris et que tout le monde s'est mis à courir. Mais il fuyait pas les flammes. Il fuyait ses formes. J'avais contenu le feu et je tentais d'atteindre le générateur quand Hal, l'officier Rose, est venu me chercher. Heureusement pour moi. J'avais aucune idée de ce qui se passait, ni de l'identité de ces choses. Tous mes collègues, ils sont morts, n'est-ce pas ? Je me demande si c'est l'une des créatures qui a causé l'explosion au stockage du carburant. Elles sont intelligentes? Elles ont planifié tout ça? J'ai entendu dire que les modules d'évacuation ne fonctionnaient pas. Tous les modules. C'est vraiment possible? T'inquiète pas, Bichette. Non, je refuse de croire ce qui vient de se passer. Non, c'est pas ce que vous croyez. Vraiment, regardez, inconsciente c'est écrit. C'est écrit inconsciente. Non mais vous rigolez ou quoi? Mais vous rigolez, c'est quoi ce jeu? Putain, j'ai pas fait exprès. Bonjour à tous, la navette de livraison est arrivée tout à l'heure. Mais non mais je l'ai tué avec un coussin les gars. C'est un coussin les gars. C'est un coussin. Ah peut-être un sac de farine. Mais je ne sais pas, enfin j'ai pas pu la tuer, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. J'ai du mal à y croire. Bon on est dans une belle zone de... Je suis censé aller en bas chez Monsieur Cool. Comment j'aurais dû venir par là en vrai? Oh. Ah.
J'aurais dû venir par là tout simplement. Ouais d'accord. Bah du coup je peux ouvrir en bas maintenant. Attends, y a plus personne là. En vrai. Ah non tu m'ouvres pas. Y'a plus personne. Ça va, tu peux m'ouvrir. Bon bah d'accord. Bah j'ai compris. Eh bien bah oui bah attends, donc il faut faire ça. Ah. Et de manière légite il aurait fallu que je fasse ça, ça et ça. Voilà. Impeccable. Eh ben c'est pas évident ce jeu hein. C'est pas évident. Tu tues des gens sans faire exprès. Enfin c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Il y a encore des survivants, ça va, ça me rassure. Il y a encore des survivants, ça me rassure. Ok, très bien. Eh ben on va aller voir les survivants. Ah il y a plein de gens. C'est trop bien. Bonjour Alfred Rose, bonjour bon Sam. Bon sang, regardez ces trucs gigotés, ça me fie. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu, c'est pas vrai. Je crois que je vais vomir. Il a créé un autre de ces monstres, comme s'il l'avait extirpé du cadavre d'Enoch. Hop. Peut-être. Va savoir, ça l'a peut-être sauvé. C'est peut-être toujours Enoch. Eh oui. Non, on dirait pas. Sam, promets-moi de ne jamais je finis comme ça. Sarah va nous tirer de là. Elle l'a toujours fait. On est en sécurité ici. Pour l'instant, je vais vérifier les environs. Vous avez pas l'air très courageux, n'empêche. Hein. Si je meurs, éjectez-moi dans l'espace, brûlez-moi, mais ne me laissez pas devenir l'un d'entre eux. Alors t'inquiète pas parce que je suis le champion pour ça, moi. Je suis le champion pour vous éjecter dans l'espace, même quand vous le voulez pas. Je suis vous désolé. Vous avez visiblement besoin d'un opérateur médical. Tu parles à qui, là? Le capitaine et Lazare est là-bas. Moi, je bosse pour vivre. Lui dites pas que j'ai dit ça. Bah oui. Le personnel doit s'occuper en priorité des livraisons en retard jusqu'à nouvel ordre. Oh, Sarah et Lazare en personne, c'est incroyable. C'est incroyable, on a les opérateurs médicaux ici. Superbe. Kit de réparation, ok, super. Bon, là, on a un beau checkpoint. Hein. On a un excellent checkpoint, les amis. Tuyau en plastique, j'espère qu'il y a un recycleur à portée de main, en vrai. Ventilateur endommagé, le cycle de distorsion. On a tout un bouquin dans ce jeu, n'empêche, hein, qui est exposé, ça c'est vraiment chouette. Docteur Yu, j'ai entendu dire que vous aviez retrouvé le corps d'un contrebandier dans la zone de fret. Quinten Purvis. Mika m'a raconté. Je le connaissais, je ne savais pas qu'il était impliqué dans le réseau de contrebande de la station. Je le considérais comme un ami. Il faut croire que je l'avais mal cerné. Eh oui. Je vais aller voir quand même le frérot, là, Austin Cool, là, parce qu'il est vachement cool ce gars, hein, mine de rien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vachement cool. Et en plus, on peut aller là encore. Oh, la bonne idée. Oh, la bonne idée. Non, on va pas y aller. Pas tout de suite, en tout cas. Disque dur HS, très bien. Kit de secours, let's go. Bonjour. Eh, ça va ou quoi? Ah, il me regarde. Il me regarde. Eh, gros nul. Ouais. Ça va, les gars? Vous avez pas l'air en forme. Tu m'as déjà dit la même chose avant, non? Le chef et Lazare va vouloir vous parler. Oui, je vais y aller après. Je surveille la porte principale. Bah là, tu surveilles rien du tout. Enfin, c'est vraiment... Tu fais vraiment genre... Parce que si je voulais l'ouvrir... Oh là, voilà, doucement. Bougez de là, docteur. C'est dangereux. Vous ne pouvez pas aller par là. Je viens de me faire engueuler, là, premier degré. Parce que si je veux, je vais là-bas. Hein. Il se passe tellement de choses. Oh, bonjour. Le capitaine et Lazare va vouloir vous parler. Nous n'avons appris qu'il y a peu de temps que vous étiez encore à bord de la station. Yes. Eh, hey, je suis un homme plein de surprises, vous savez. T'as pas tout vu, hein. Oh, Gus McGill, ça vous dérange si... Non, personne va voir, de toute façon. Allez, je me permets, hein. Je me permets de fouiller hein, sur les ordi. De toute façon, je fais ça depuis le début de l'aventure, c'est pas vous qui allez m'en empêcher. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Ah, ici, je suis chez moi, maintenant. De toute façon, c'est mon vaisseau, en vrai. Hein. Allez. Hop. Et voilà le travail, ni vu ni connu, 3 emails. Monsieur McGill. McGill. Par mesure de sécurité, nous avons désactivé le mécanisme nécessaire à l'ouverture de la porte extérieure de la zone de fret B. Et la porte a été soudée pour plus de sûreté. Si cette zone ne sert qu'au transit du fret, nous voulons éviter toute ouverture accidentelle. Restaurer la fonction totale de la porte de cette zone sera concrètement impossible. Je vous remercie, voilà.
Incident TEG, alors tu as trouvé quelque chose? Pas du tout. Rapport d'incident. Ok, il y a eu un... Y a eu, voilà, bah c'est, vous savez, les rapports d'accident qu'on connaît. Par contre, on a deux utilitaires. Ouvrir la cage, fermer la cage. La cage 1, la cage 2, c'est où ça? C'est ça? Attendez, parce que maintenant, j'ai pas envie de faire de bêtises en réalité. C'est ça, les cages? Oui, je pense que c'est ça. Ouais, c'est bon. Cage 1, cage 2. Ah, on va éviter de faire une connerie quand même, parce que j'ai déjà tué beaucoup trop d'innocents. Ce serait pas mal de pas tuer tout l'équipage en vrai. On a une note. Cage de fret, envoyer quelqu'un avec un chalumeau. Il faut qu'on ouvre ces cages de fret pour voir ce qu'elles contiennent. Pas besoin de chalumeau, il suffisait de craquer le code en fait, les gars. Pas de problème, moi je vous ouvre tout, moi. Bah y'a pas grand chose, ça c'est pas mal en vrai. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça va? Bah ça va et toi mon gars? Attends, on va discuter, t'inquiète. Les munitions. Non, les munitions. Voilà. Circuit imprimé, fil de nudé. Ah, tout ce qui est dénudé. Eh merde. Tout ce qui est dénudé, j'adore. Bon bah voilà, j'ai encore usé mon pouvoir. C'est génial. À mon avis, s'il y a des tourelles ici, c'est pas pour rien. Donc voilà, je viens de gaspiller une tourelle, c'est un plaisir. Pourquoi c'est fermé là? Pourquoi ça s'est refermé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah! Ah! M'en fous, je passe. Non. Allez, neuromode. J'ai 3 neuromodes. Bah ouais, bah je pourrais pas. Alors force physique 3 à mon avis. Ça se passe, je pense là. Ouais, force physique 3, j'ai déjà pas le 2. Oh lolo. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Comment qu'on fait? Hop, ça dégage la racaille. Je peux pas, c'est dommage. Bon, monsieur Cool, ça va ou quoi? J'en ai marre d'attendre qu'ils viennent à nous. Ok! C'était juste ça que tu voulais me dire, c'est superbe. En vrai, tu peux ouvrir, y'a plus personne. Bon, il est pas si cool que ça en vrai. Hein. Je suis curieux d'aller là d'abord. Putain, excusez-moi, je pars dans tous les sens. Moi, avec moi, les let's play sont longs, hein, faut le savoir. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Oh là là, là je veux pas aller. Et là. Oh là! Ah ouais! Aucune carte d'accès. Ouais, mais elle va me la donner la carte d'accès, c'est sûr. Ah, lui il est prêt à me goumer, lui. Hein. T'as vu ça comme il est venu là? Ah, ouais, il est prêt à me goumer. Hein. Regarde! C'est bâtard! Regarde. Voilà, fais le malin. Et là. Coucou! Screamer va. Et non pas Skrillex. C'est par ici. Non. C'était un prank. Évidemment. C'est une caméra cachée, la caméra cachée se trouve juste ici, regardez. Bonjour Madame Elazar. Alors vous avez décidé de venir jusqu'ici dans le seul but de retourner sur Talos? Le seul moyen d'y parvenir est par la zone de Fred B, qui est infestée par les créatures qui ne pouvaient soi-disant pas s'enfuir, d'après votre frère. Un peu comme vous, je suis la seule à posséder le code. Je vous le donnerai si vous nous aidez à mettre sur pied la puissance de feu qu'on nous avait promise en arrivant ici. Il nous faut les plans de fabrication des tourelles éradicatrices, puis... Mes hommes m'ont dit que le fabricateur fonctionnait à nouveau. C'est grâce à vous, n'est-ce pas? Je n'avais visiblement pas assez foi en vous, docteur. Cela veut dire qu'il ne nous reste plus qu'à obtenir le plan de fabrication des tourelles. Il y en a un dans le coffre du bureau de la sécurité, mais il est hors de portée à cause des fissures dans la coque. Mais bon, si vous aviez une combinaison et que vous vouliez bien refaire une balade, la puissance de feu supplémentaire serait vraiment utile. Écoutez, je ne sais pas quels sont vos plans, Morgane, mais n'oubliez pas, la seule chose qui compte est la manière dont vous traitez ceux qui sont encore en vie. Alors, tu m'aurais vu comment j'ai traité... Ces choses trouveront bientôt un moyen d'entrer si on ne va pas les affronter nous-mêmes. Ah oui, la meilleure attaque, c'est la défense. La meilleure défense, c'est l'attaque, évidemment. Est-ce que vous avez fait quelque chose au module d'évacuation? Votre frère, peut-être? Attends, toi, je t'aime pas, toi. On a un opérateur médical, si jamais vous en avez besoin. Cette chose nous a bien aidés jusqu'à maintenant. Finalement, je t'aime bien. Témoignage d'un rescapé de l'évacuation. Jour 1, j'avais laissé mon chien chez le toiletteur. Elle s'appelait Aliza, et non pas Sarah et Lazare. Ça veut dire joie. Je dis au revoir et marchais un peu plus loin pour prendre un café près du parc.
Des chasseurs me survolèrent très bas et le bruit était tellement intense qu'il me fit sursauter. Je ne sais pas d'où ils venaient, mais ils étaient armés de bombes et de missiles. Tout le monde regardait en l'air, le bruit des avions se répercutait sur les façades des immeubles, mais nous ne pouvions déjà plus les voir. Le ciel était clair et je vis une fumée rose se lever dans la direction du stade. Ensuite, les sirènes commencèrent à hurler. Je ne les avais pas entendues depuis mon enfance. Certaines personnes restaient immobiles et hébétées, mais mon instinct me commanda de courir. Courir loin du stade. Courir loin d'Alisa. Oh non, ton chien. Des gens couraient avec moi, mais nous ne savions pas où aller. J'ai vu un policier diriger des gens dans un restaurant en sous-sol. Je crois que c'était un ancien abri anti-atomique. Je regardais à nouveau en l'air et vis un avion de ligne. Il n'était pas militaire, c'est sûr. Je pense qu'il allait à l'aéroport. Il s'est chargé en étincelles, sous un son, sans un son, devant mes yeux. Il avait disparu tout simplement. Un homme à côté de moi commença à jurer. Je perdis l'équilibre et ma tête heurta la chaussée. Ah mais attendez, on en apprend tous les jours de cette aventure en fait. N'oubliez pas, on a besoin des plans de fabrication de tourelles éradicatrices, pas pour un synthécube. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Mais j'y viens, ne t'inquiète pas, j'y viens ma belle, regardez, paf. Et tu sais que si je lui mets un coup, il se passe quoi en vrai? Dans un monde, je lui mets un coup et je finis le jeu, générique de fin. Il y a un monde où tout se termine là. Non mais je pense qu'il y a eu une apocalypse sur Terre, une invasion justement et voilà tout simplement. Je vais juste faire un truc, il me reste un anti-rad, je le mange parce que depuis tout à l'heure je suis en train de voir flou. Je sais pas si vous avez constaté ça. Voilà. Alors, c'est tourelle? Mais, oh, oh putain, oh je vais te défoncer la gueule. Non vraiment, tu commences à m'agacer là. Hey, vous êtes là? Chef? Oui, un problème? Je voudrais vous parler de la visite VIP la plus récente. Lettner, le pianiste. Chef, j'ai fait mon maximum. J'ai vérifié le planning, le groupe. J'ai fait de mon mieux pour que Igwe ne soit pas trop... Igwe. J'ai même réussi à me procurer ses cigarettes quand... Vous avez fait un excellent travail. Lettner n'a pas tari d'éloges, surtout à votre égard. Il y aura un petit bonus dans votre prochain salaire. Emmenez Nicole dîner dans un bon restaurant, d'accord? Oui, chef. Merci, chef. Oh, que c'est mignon. Oh, une note. Merci de transmettre cette information au personnel de sécurité dans la prochaine réunion. Excusez-moi, je ne sais plus parler, voilà. Suite à la visite de membres du conseil d'administration le mois dernier, la Terre a délivré un avis très positif sur nos équipes d'approvisionnement et de transport. Le personnel a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire pendant toute la durée de l'inspection. Beau travail. Bravo, continuez comme ça. Ben, merci. Ok, bon, bah c'est superbe. Clé d'autodestruction, on a tous les rouillas là, on a la zone de Fred B, donc je vais pouvoir y aller, hein, bien sûr. On a objectif multiple, on s'en fout. Bon, bah j'ai qu'une seule issue, c'est la bagarre, comme dirait Mister B-Boy 45, bien sûr. Ouais. Ces donc... pistolets Transtar PPN 8 sont juste là pour faire beau. Ils font pas grand chose face à ce qui nous attaque. Mais avec les tourelles éradicatrices, on a une chance. Eh oui. Donc là, je peux rentrer un code, là? Non, je ne peux pas. Mais maintenant, je vais pouvoir passer par là. Aucune carte d'accès correspondante. Alors attendez, je suis en train de me chier dessus. Faut que j'aille où, là? Ah ça y est, je me chie dessus. Zone de Fred B, mais bien sûr. On doit bien pouvoir reconnecter quelques tourelles. Ah, ça y est, j'ai compris. Mais comme j'ai détruit... comment dire? Ouais, d'accord. Bah heureusement, j'ai des pièces détachées. Hein. Allez, je répare. Je porte. Et je vais te la mettre là. Veuillez placer la tourelle en face du vecteur de menace. Eh ben, je te la place juste ici. Erreur. Ajustement de l'inclinaison requis. Déployer. Voilà. Placer deux tourelles de plus dans l'aire de chargement de la zone B. Ok, faut que j'en mette encore deux. J'ai besoin d'un pirater ou pas? Ok, il faut que je trouve deux tourelles encore. Mais attendez, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Parce que, en fait, comment vous dire? J'en ai placé une. Je veux bien. Bon. Y en a pas une deuxième là? Y'en a pas une deuxième là? Oh, oui. Ok, d'accord. Il faudrait que je puisse... faudrait que je puisse aller là. C'est sûr qu'il y en a des tourelles là, regarde. Ou alors, il faudrait que j'en cherche... Ah, bien sûr, c'est bon. C'est bon. Je sais où c'est que je vais t'en trouver, moi, de la tourelle. T'inquiète. T'inquiète, nos stress. Allez, les amis, on y va. J'adore ce jeu. Ce jeu est vraiment chouette. Il y a peut-être une tourelle là, en vrai, j'ai pas fait gaffe. Oh, non. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va se choper les tourelles. Bon, encore désolé madame, hein, vraiment. Je suis navré.
pour ce qui vous est arrivé. C'est vraiment malheureux. Le monde est cruel. Il y a une tourelle ici, là. Hop. Alors, je la porte. Non, c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez, on la pirate, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh! T'es sérieux, là? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bah, du coup, je vais pas y arriver. Impossible. Même le... Ah ouais, bah d'accord. Ouais. Allez. Arrête! Je peux te porter au moins? Voilà, ça sera déjà pas mal. Parce que si je peux pas t'emmener en haut, ça sert à rien. Eh, attendez. Attendez. Ça va où, là? Extérieur de Talos, erreur critique. Ah, mais c'est de là que je viens. Ah, mais non, pas du tout. Ok. Oui, c'est de là que je viens, moi, là. D'accord, oui, tout à fait. Absolument. Il y a une tourelle là également là. Parfait, c'est bon. Donc j'ai les deux tourelles manquantes. Donc je vais les mettre dans le conteneur. On va faire des petites navettes, vous inquiétez pas, rien de bien méchant. Bam. Alors avant de les réparer, je vais les emmener, ça nous évitera de gaspiller. Si jamais ça ne fonctionne pas, ce serait dommage. Donc là j'en place une. Ensuite on place la deuxième. Alors, on va pas perdre de temps non plus hein. On n'est pas non plus des teubés. Hop, voilà. Ça c'est fait, merci à tous. 200 de QI, je sais, merci. Et hop. Et voilà. Et voilà le travail. Impeccable. Rien de bien folichon, me diriez-vous. Mais il fallait y penser. Voilà, il fallait y penser. Bref les amis, j'espère que vous kiffez toujours autant cette aventure. En tout cas, pour ceux qui la suivent depuis le premier épisode, j'espère que vous avez toujours cette magie en vous. Comme moi, parce que vraiment ça régale. On va en placer une, tiens, ici. On va du coup d'ailleurs la réparer. Impeccable. Donc là elle est comme neuve. Et puis on va pouvoir chercher notre dernière tourelle, bien sûr. Hop. Pas de problème à ce niveau là Mais par contre il y a beaucoup trop de monde là. Il y a beaucoup trop de monde. Bon, bah mon équipage, je sens que personne va survivre hein. Je préfère le dire, tu vois, j'aurais eu besoin de toi. J'aurais eu besoin de toi, mais voilà. Je suis pas malin hein. Oh. Impeccable ça. Ça dégage. Terminé. Le personnel affecté sera contacté pour être réassigné temporairement. Oui. Ceci est un message préenregistré. D'accord. Absolument. Tac, voilà, merci, bonsoir. Bonjour monsieur. T'as vu, il y a un cadavre, c'est bizarre. Hein. Je sais pas comment elle a fait pour arriver là, mais chelou quoi. Hop, on va replacer une tourelle ici. Je répare. Et voilà. Ah, tu veux vraiment que ce soit dans la zone là quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est... Ok, pourquoi pas. Hop. Et voilà. Vous m'avez l'air vachement prêt quand même là. Faites en sorte que Sarah vous donne le code. J'espère que cet opérateur médical est opérationnel. Tu m'as parce fait qu'on trop va avoir peur. Besoin de lui après ça. Tu m'as fait trop Flingue peur. Paré, Austin paré. Non, pas moi, moi je suis pas paré si moi. Si je dois crever comme parti. Ça, alors qu'il en soit ainsi. Oh les gars, calmez-vous. Vous croyez trop, vous êtes des beaux gosses. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aussi près que faire se 7. Peut. Je t'aime, maman. Oui. A bientôt en enfer, papa. Ah. Attends, je vais recharger ça aussi. Non mais là... C'est maintenant ou jamais. Oui, on va se détendre les enfants. Il est où mon fusil à pompe? Pourquoi j'ai plus mon fusil à pompe d'équiper là? Je comprends pas. Équipé. Voilà. Là j'ai pas compris pourquoi le fusil à pompe n'était pas équipé. Allez, est-ce que vous êtes prêts messieurs dames? Pas moi. Donne-moi le code. Munition, check. Respiration, check. Trouillomètre, voilà le check. Code de la zone de fret B. Merci pour le code de la zone de fret B. Je suis très content, Sarah, que tu me l'aies donné. Je suis pas content de l'utiliser, mais on va y aller, on va rentrer. 7, 1, 2, 9, rip en pète. Allez! Pop! Let's go! C'était le dernier, j'espère.
C'est tout? Let's go! J'étais pas sûr de ce que ça donnerait, mais le résultat me convient. Oh, mais j'avoue! Et à quel point il ne me manquait pas. On ressemble à quoi quand on prend l'ascenseur? Maintenant que nous avons sécurisé la zone, nous pouvons tenir indéfiniment. Si vous envoyez d'autres survivants ici, nous les protégerons. Yes! On a une zone de safe. Ils étaient trop nombreux. J'ai besoin d'une cigarette. J'ai toujours pensé que quelque chose allait dérailler. Mais j'aurais jamais pu imaginer ça. Il me faut un recycleur, les copains, là. Il me faut un recycleur, les potes. Non mais attendez, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Les tourelles n'ont pas été touchées. J'ai utilisé 2 balles de pompe et 1 pouvoir psy. C'est tout ce que j'ai fait, les gars. C'est phénoménal. Oh, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Ok, manger, hop, je mange. Ça, je prends, récupère de nouveau des munitions. Ça, ça fait quand même vachement plaisir. Oh, quel bonheur, mais le jeu est en train de rechanger une tournure là. Hein. C'est fou ça. C'est fou. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi mon colis a du retard? Désolé, Dr. Berger. Le système s'est éteint à cause d'un déclencheur de sécurité. Nous essayons de le remettre en route. Ce colis est extrêmement important. J'en ai besoin rapidement au département psychotronique. Alors tu m'excuseras, le devoir m'appelle. On va pouvoir ouvrir le conteneur grâce à mes talents de craquage. Hop, ça régale. Nous en avons pour quelques heures. Quelques heures? Vous pouvez rien faire d'autre? Non, mais puisque vous avez du temps, vous pourriez appeler Monsieur Yu et lui demander la permission de relancer toute la station. Ça résoudrait immédiatement le problème. Quelle idée ridicule. Eh bien, puisque vous n'aimez pas le ridicule, je crains que vous ne deviez attendre. Oula, elle est pas contente, hein. Elle est vraiment pas contente. J'ai plus de place pour ça. Avec kit de réparation de combinaison, c'est très 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 important. Hein. C'est très 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 important. Le pistolet disjoncteur, pareil, on va s'en séparer. Le doublon, hein, bien sûr, attention, je précise. Je pourrais y aller moi-même. J'ai eu un entraînement à la microgravité. Vous avez qu'à faire ça. Elle est vénère, elle, hein. Elle est vénère. Hop. Magnifique. Oh, y a que dalle. Je me suis fait... Ok, je me suis fait bait. Je me suis fait bait. Y'a rien non plus ici. Ah, je m'attendais vraiment à ce que je trouve des trucs dans chaque conteneur en vrai. Je suis un peu déçu, je t'avoue. Ah. Ok. C'est pas grave, écoute, on a le droit d'être déçu quand même. Hein. Je suis très content de cet épisode, les amis. Vraiment. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien pour le coup. Modificateur d'armes, j'ai beaucoup de modificateurs d'armes. Hein. J'ai pas envie de gaspiller en vrai, j'ai envie de. Ouais, d'être sûr avant de faire quoi que ce soit. Oh, y'a un cadavre. Allez! Oh, la pomme, je la mange. Cookie spiralée, je la mange. Enfin, je le mange, pardon. Oh, une caisse ici, bien sûr, je l'ai vu. Oh, un fusil à pompe, m'en fous. Ah, s'il y avait des munitions, j'aurais pas dit non, mais. Ok, je sens qu'il y a un screamer qui va pop d'un coup là. Ça je prends, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Émetteur d'onde zéro, c'est bien ça. Là pareil, il faut craquer, c'est pas un problème. Je suis le roi du crack. Alors dit comme ça, en effet, ça peut porter à confusion, hein, cela dit. Mais n'y pensez pas à un mauvais mal, un mauvais... voilà. Ascension, bonjour. Ça c'est bien, ça c'est très bien. C'est excellent même, c'est superbe et ça on s'en fout. Oh là là, on a des munitions. C'est pas non plus la folie. Mais c'est déjà globalement énorme. C'est globalement énorme ce qui se passe. Allez, une petite sauvegarde rapide. On avance, on s'élance. Clé d'autodestruction, donc la suite de l'aventure se passe ici bien sûr. Christopher Smith, ça merci. Ça merci. Ça merci. Alors. Oh, j'ai cru que je connaissais cet endroit, mais en fait. Les gars. On était déjà là? Les gars, on était déjà là? On est où là? Ah ouais, on... Oups, on était déjà là. C'est là, il y a la zone zéro gravité là. On était déjà là, mais c'est phénoménal. Alors on va ouvrir la carte quand même, je suis assez curieux. C'est impressionnant, on était déjà là et tout à fait. On est où là? Carte de la station, on est où? Je suis perdu. Joueur, bah ouais, mais je suis où là? Là, zone de fret. Bah oui, tout simplement. Tout simplement. Bon, ça va pas nous aider, mais on était déjà là, c'est incroyable. Donc on va pouvoir continuer par là. Rani. C'est quoi Rani? Ah ouais, Rani, il y avait un objectif, sauver Rani.
Elle est vraiment là? Attendez, elle est facile d'accès ou pas? 40 mètres. RAS. Très bien, bah t'es très efficace toi ma belle. Par ici là. Maintenant je peux y aller ou pas? Non. Toujours pas, ça sert à rien. Ah, Rani elle doit être là derrière, ouais. Rani elle doit être là derrière. Attendez, je vais juste quand même checker. On va prendre un petit peu notre temps. Puisque on a évidemment un objectif qui est secondaire. Attention, sauver Rani du typhon télépathe. Ah mais c'est dans l'arboretum. Ok, bon bah ça sert à rien que j'aille. Puisque de toute façon l'arboretum, il faut qu'on y retourne. Dans tous les cas, clé d'autodestruction, c'est... Attendez, mais c'est vrai ça en plus, la clé d'autodestruction se passe dans l'arboretum. Ah non, c'est dans le support de vie. Pardon, my bad. Bon, mais dans tous les cas, tout se connecte. Donc on va bien réussir, éventuellement, je l'espère, à y aller et à sauver différents, différents équipages. Et si tel est le cas... Oh. Oh, on revient là. Oh, c'est excellent. Oh, on est de nouveau là, d'accord. Alors attendez, attendez quand même. Qu'est-ce que ce bruit? On va essayer de... Attends, je peux remonter là au moins ou... Ouais. Rani, est-ce qu'elle est dehors? Extérieur de Talos One. Attendez, on va juste faire un petit tour à l'extérieur de Talos One. En vrai, parce que là si elle est dans l'espace inouï de l'amour, je peux peut-être essayer de la sauver. À défaut d'avoir sauvé d'autres personnes, bien sûr, je pourrais me racheter. Tu vois, je pourrais me racheter Rani. T'es là? Morgan, ici Mikaela. Je n'ai pas pensé à vérifier ton transcribe. Je ne sais pas comment tu as pu arriver là. Je pensais que tu n'étais plus là parce que... Non, rien. Les sas et ascenseurs sont bloqués. Tout comme mes poumons. Ma paraplexie. Je commence même à voir des taches. Tu avais raison. Même si je parvenais à mettre la main sur les injections dans mon bureau. Cependant, je pense que je peux nous sortir de là en utilisant le réacteur principal pour lever le verrouillage. Je sais que ça a l'air dingue, mais je peux te guider dans la procédure. Je le ferai bien moi-même, mais... Bon, contente-toi d'y aller, d'accord? Nouvel objectif. Accéder à la salle de contrôle du réacteur. Attends. Tu me demandes beaucoup de choses là. Redémarrer. Ah, ça fait partie de l'histoire principale en plus. Ok, donc là ce serait pour sauver. Je ne peux pas sortir d'ici et sans la clé d'armement d'Alex, impossible de détruire Talos One. Je pourrais contourner le verrouillage d'Alex sur l'ascenseur principal. D'accord, donc faut d'abord faire ça et ensuite pouvoir enfin fabriquer la clé d'armement. Parce que sans ça, je peux pas faire ça manifestement. Ça vient de. Voilà. Là on vient d'avoir une info de dernière minute, ce n'était pas prévu. Et puis on a Rani, c'est un objectif secondaire. Qui serait juste là-haut et là, une brèche de la coque. Bonjour. Je suis censé pouvoir faire quelque chose ou... Voilà, fait tout exploser. Là on a un... Attends, ça on peut le disjoncter normalement. Attends. Où c'est qu'on est là? Ça s'ouvre ou pas là? Ok. Voilà. Attention, ça pète. J'avais oublié. Attends, c'est excellent. Donc c'est des brèches en fait, on peut rentrer dans le vaisseau en lévitation. Ça sert à rien mais c'est stylé. D'accord. Ok. Oh là, bonjour. Adieu. Oh c'est bon. Ils sont partis. Oh non. Arrête. Allez hein. Ça régale. On va se barrer par là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément quelque chose ici, c'est pas possible. Ah ouais. Ah bien. Allez, on va retourner sur la terre hein. Allez, je me casse. Elle est où ma sœur là? Salle de contrôle. Donc ça c'est de la convient.
Rani, c'est par ici. J'arrive, Rani. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, mais c'est verrouillé. Non, mais c'est une blague. Tout ça pour ça, là? Je peux pas y aller, là, vraiment? Je peux pas y aller? Ah bah voilà. Attends. Verrouillage de sécurité. Ça ne marchera pas. Ça fait partie du blocage total commandé par votre frère. L'ascenseur principal et tous les sas extérieurs. Vous serez coincé tant que vous ne trouverez pas une solution. Il essaye de vous ralentir, Morgan. Et il met tout le monde en danger par la même occasion. Non, c'est horrible. Morgan, mon frère, t'es vraiment un salaud. T'es vraiment un salaud. Bon bah, tant pis. On va retourner direction notre quête principale. On se sera baladé, tranquille. Écoutez, c'est super mignon. Je vous assure que dans un prochain épisode, je vais quand même tenter d'aller sur la Lune voir ce qui se passe, en vrai. Je suis quand même curieux de voir ce qui se passe si on s'éloigne. Je pense sincèrement qu'ils se sont pas cassés la tête et c'est bien normal. Genre, ils vont nous faire mourir à mon avis. Hein. Je pense que si on s'éloigne, on meurt. Ou alors, il nous fait faire demi-tour ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ça me paraît évident qu'on puisse pas aller sur la Lune, hein, c'est logique. Mais ce serait très stylé. Un easter egg, quelque chose comme ça, serait incroyable. Alors, je suis rentré, je suis sorti par où là? Salle de contrôle du réacteur, mais c'est même pas là que je suis censé aller en plus. Si? C'est là que je viens? Je suis perdu. Je suis perdu. Mais on va dire que c'est là. On va dire que c'est là. Eh ben c'est superbe ça. Attendez les gars, je me chie dessus. Je suis paumé. C'est un vrai régal. C'est un vrai régal ce que je vous propose. Ce qui est bien, c'est que comme il n'y a pas de sens, il n'y a pas de haut, de gauche, de droite, de bas, il n'y a rien. C'est l'espace inouï de la bougre. Allez, on va dire que c'est pareil. Aïe! Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et ça m'a l'air d'être simplement la merde. Parce que je ne vois pas comment faire. Non mais là je suis débile hein. C'est juste pas possible. C'est par où qu'on rentre? Salle de contrôle du réacteur. Cadavre humain. Ok, c'est bon, j'ai capté. Arrête. Par ici. Voilà. Et là je pense que on a l'accès. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur. Ici. Voilà. Eh ben on va y arriver. On va y arriver. Salle de contrôle du réacteur. Quoi? Aucun conteneur amarré. Oui bah faut que j'aille là. Ouais voilà, c'est de là que je viens. Ok, excusez-moi hein. Là mes neurones ont eu du mal, hein. Je vais pas vous mentir, parce que là j'étais vraiment mais perdu. Tu perds vraiment, c'est déboussolant, c'est déroutant et ça m'impressionne parce que c'est vraiment ce qui me fascine dans l'espace. C'est vraiment, voilà, l'espace c'est vraiment un domaine qu'on ne maîtrise pas. Enfin qu'on maîtrise et qu'on maîtrise pas. C'est quand même fou de se dire qu'on a l'ISS dans la vraie vie. Là je vous parle dans la vraie vie. Ça m'a fait peur. C'est quand même fou ce qu'on peut faire. Et tout ce qu'on ne sait pas. Mais attendez. Mais j'avais même pas vu qu'il y avait un recycleur ici. C'est incroyable. Ça peut paraître étrange venant de moi, mais je vous admire. Vous n'étiez pas obligé d'aider le chef Elazar et son équipe dans la zone de fret. Tout à fait, c'est gentil, merci pour tes compliments. Voilà, ce jeu. Ça me touche, franchement ça me touche. Tes petits compliments comme ça, voilà. Ça, voilà, on jette tout ça. Tac, 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 tac. Là, on a de quoi faire, franchement, on a de quoi faire, ça régale. Ça, je mange. Et puis, je crois qu'on est pas trop mal en vrai. On est pas trop mal en effet. Ah, peut-être ça encore. Batterie disjoncteur. Pour le pistolet disjoncteur et tour du sang. Oh là là, j'ai failli faire une dinguerie là. Surtout quand on pense que... Enfin, quand on pense que vous comptez détruire la station. Vous leur avez donné espoir, même si ce n'est que temporaire. Alors, plus il parle, January, on sait toujours pas c'est qui, hein. Plus je suis pas sûr que ce soit un mec gentil. On sera tous d'accord, hein, sans spoil, mais... January m'a l'air assez malsain. Le frère Alex... Parce que attendez, nous on est Morgan, on est d'accord. Oui, ouais, le frère Alex il est malsain aussi. December, bah on n'a pas beaucoup parlé avec lui. En fait, tout ça, je comprends pas.
Ah purée, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier? Allez. Vous allez dire... Et d'ailleurs, vous me l'aviez dit en commentaire, je suis débile, mais oui, on peut fabriquer des neuromodes. Franchement, je suis... mais nul, quoi. Je suis nul, je vais en fabriquer, tu sais quoi, en vrai. Même si pour le moment, j'utilise pas. Mais au moins, voilà, comme ça c'est fait, j'ai plein de neuromodes. Parce que ça servira. Ça servira clairement, c'est pas de trop. Voilà, je peux plus en refaire. Je peux plus faire de balles non plus. Je vais refaire de l'anti-rad. Très important ça. Ça sauve quand même. Encore un. Voilà. Kit de secours, clairement. Non là vraiment faut qu'on se mette bien les gars. Je peux plus en faire. Eh ben on va partir sur de l'anti-rad encore. Et voilà. Merci. Parfait, petite sauvegarde rapide. Et on est reparti pour l'aventure. C'est par ici bien sûr. C'est par ici. Voilà. Allez, support de vie. Let's go les amis. On continue cet épisode absolument incroyable, riche en émotions, mouvementé. Ça régale. Bienvenue bien sûr. Si vous nous rejoignez simplement 16h53 en direct sur TF1, c'est fou. Bonjour, c'est safe ici ou pas en vrai? On est déjà passé par là donc je pense que oui. Y a pas de raison que ce soit pas safe. Je vais peut-être réparer la combinaison également. Voilà, impeccable. Je me souviens plus de cet endroit. Ah ouais, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oh, c'est incroyable. Oh, souvenez-vous. Mais non, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et là, je peux pas sortir, il m'a verrouillé. C'est l'ascenseur principal. Et là, est-ce que j'ai? Toujours pas. Mais souvenez-vous, voilà. Oh, piège à charge. Pardon? Ah merde. Alors je pensais que c'était du génie là, ce que je pensais que ça allait ouvrir la porte en vrai. Oh, j'ai trop le seum. Mais bref, souvenez-vous là, j'avais dit ouais c'est dommage, on passe à côté machin. Mais au final on retourne, vous avez vu, on retourne quand même dans les endroits qu'on a déjà visités grâce aux quêtes principales. Donc en vrai c'est trop stylé pour le coup. Là on a un truc de médecin il me semble. Ouais, médicentre, impeccable. Bah attendez, on va en profiter. Comment j'ai fait pour passer comme ça, voilà. On va en profiter, regardez, il y a des pièges. Désarmé, attendez. Voilà. Et ça c'est le cuisinier hein, qui a mis des pièges un peu partout je crois hein. En vrai. Attention hein. Allez, répare moi Merci bien. Il n'y a pas plus en forme que vous. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. Vos commentaires nous tiennent à cœur. Absolument, je peux sortir? Oh, de neuromode. Je suis bloqué. MDR. C'est bon, j'ai paniqué. J'ai paniqué trop vite. Wow, j'ai eu trop peur. Oh, mais wesh, attendez, je trouve des passages secrets. Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Et pourtant on est passé par là hein. Mais non, mais c'est quoi ce jeu s'il vous plaît? Ça va où là? Oh. Mais non. Ah. Ça nous évite juste de passer par le truc électrique. Non mais c'est incroyable. Y'a rien d'autre en vrai. Incroyable. Allez, on descend. Salle de contrôle du réacteur. Ok. Alors, je me souviens plus. Oh, là aussi il y avait un truc pour fabriquer. Escape pods. MDR. À quelle heure il vient lui? Je me suis chez lui, je me bats.
À quelle heure? Mais attendez, je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de ça, moi. Vous vous souvenez de ça, vous? Il est où, là? Ah! Regardez à quoi ça sert. Ça nous permet de... J'ai trouvé un passage secret encore. Mais quoi? Mais on est où? Oh! Mais wesh! Non, attendez, c'est trop, là. Regardez ça. Non, là, je... Je sais pas quoi dire. Je suis sur le cul. Où c'est qu'on va, là? Oh! Centre de traitement des eaux. Les gars, j'ai trop le seum. Alors, c'est magnifique. J'ai trop le seum. Souvenez-vous, on avait une mission secondaire avec un item qui nous permettait de pourrir, je crois, de déverser quelque chose dans l'eau. Et bah, c'était ici. Et j'ai jeté le machin, donc on peut pas faire l'objectif. Mais c'est pas grave. Mais c'était ici. De toute façon, j'ai aucune envie d'aller là. Ça m'inspire rien. Bon, il y a des cadavres. Oh, c'est fou. Non mais franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon. Ah. Ça c'est chiant ça. Ils sortent d'où eux? Attends. Passer par là. Mais on est où là? Salle du... Ah oui, là c'est la suite. D'accord, ok. On est là, ok, ok, ok. Mais je me souviens pas de tout ça, moi. Je me souviens pas de tout ça, moi. Voilà. Toi, déjà, c'est pas mal. Allez, une petite sauvegarde rapide. Comme ça, je peux descendre tranquille. Mais attendez, mais il n'y avait pas tout ça. Mais on était déjà descendu là, mais... Et là, je peux ouvrir. Mais que... Fourniture, mais arrête. Mais arrête. Il faudra que je regarde l'épisode en question parce que on était déjà allé là, mais je me souviens pas. À moins que j'avais fait demi-tour parce que j'avais stressé tout simplement et que ça servait à rien. Ah, parce qu'on était concentré sur l'objectif principal. Donc on n'avait pas fouillé plus loin et on a bien fait d'ailleurs, hein, parce que ça aurait servi à rien. Bonjour. Oh. Oh. Oh oui. Oh, c'est du luxe. Oh oui. C'est du luxe. Guide de l'uniforme de Transtar. Ça, on avait déjà pu lire à l'occasion. Guide de secours. Oh là là, c'est Gucci. C'est Gucci. On en a des bouteilles d'eau 2. Impeccable. Oh, c'est superbe. Synthé cube. Ok. Une petite tourelle. Alors, quelque chose me dit que je vais avoir besoin de toi. Tu sais quoi? Tu vas aller là. D'accord. Tu vas te déployer. Là, on a un fantôme éthéré, là. Bonjour. Allez, viens là, mon grand. Ah, ils sont deux. Superbe, ça. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Il est où, mon fusil à pompe? Il est là. Regardez bien ce qui va se passer, ça va être magnifique. Voilà, allez, vas-y. Voilà. Voilà. Impeccable. Il y en a encore un. Visiblement. Ça va, mon grand? Ah, je peux pas te réparer par contre. Fort ennuyeux. Il vient? Il vient. Ça y est, il vient. Ok. Ah non. Hop. Kick Kramer, finito. Désolé, mon gars. Je sais pas t'es qui. Mais t'es plus personne, voilà, il faut le savoir. Allez, tourelle, c'est magnifique, hein. Oh, 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 oh. Attendez. Oh. Là. Bracelet électronique. Où est Kirk? Mais non. On a encore fait... Eh, on a encore fait un objectif secondaire. Où est Kirk? Oh, c'est incroyable. Eh, on va finir le jeu à 100% sans le faire exprès, hein, les amis, hein. Petit transcribe. On est dans
le module d'évacuation 8-9. Tout le monde va bien, mais les commandes de lancement ne répondent plus. Est-ce que vous avez bien suivi toutes les étapes de la carte de lancement? Oui, même le klaxon a sonné. Mais l'écoutille ne veut pas se fermer. On peut pas décoller. Attendez, je regarde les plans. Il devrait y avoir un capteur sur les boulons explosifs. Alika, je vous en prie, dépêchez-vous. Je vois les câbles, mais... Une minute, c'est impossible. Vous pouvez nous faire décoller à distance? Est-ce que vous pouvez au moins fermer cette putain d'écoutille? Non, je ne pense pas. Vous voyez une manivelle ou autre chose? Rémer? Rémer, vous me recevez? Ce module d'évacuation souffre d'une défaillance. Le service d'ingénierie on y était, a été prévenu. Hein. Alors, veuillez utiliser un autre on module. Était déjà là, les amis, mais il n'y avait pas ces cadavres. C'est... Alors, soit c'est scripté as fuck et j'avais rien à faire là avant, ou soit, entre-temps, il s'est passé des choses ici. Parce qu'en effet, on était déjà là. Hein. On était déjà là, mais il n'y avait pas tous ces cadavres, il n'y avait pas tous ces vilains méchants. Disque dur HS, circuit incroyable. Ça, c'est incroyable. Bon, on peut pas s'échapper, évidemment. On avait déjà essayé, souvenez-vous. Bouteille O2, mais c'est magnifique. Je suis un génie. Ben voilà, donc on était déjà là, c'est bon. Très bien, ben, ça m'enlève une épine du pied. En effet, on était déjà là. On a trouvé Kirk, c'est incroyable. Là, on pouvait pas aller. Et puis, on n'est pas allé plus loin parce que c'était pas notre quête principale. Et maintenant, on va pouvoir y aller parce que c'est notre quête principale et c'est incroyable. Parce que c'est notre projet. Mais d'abord, les amis, un petit coup. Ah bah non, c'est pas un recycleur. Allez, c'est parti, on y va. Hop là, y'a rien ici, y'a rien ici. Un cadavre là. Raya, bonjour Raya. Raya Nakamura. Oh non. C'est pas possible, fantôme voltaïque, ça j'aime pas. Hein. Les autres fantômes, t'as vu, je gère. Hein. Ça j'aime pas. Hein. Ah bah je peux pas ouvrir la porte, donc ça m'arrange. Ça m'arrange finalement quoi. Comme on dit, ça me dérange pas finalement. Hein. Voilà. Allez, qu'avons-nous là? Salle de contrôle du réacteur. Eh ben c'est parti, power plant. Bonjour. Eh bien, salut les amis, c'est Edith, comment allez-vous? Moi ça va super bien, je suis stressé, je dis plein de bêtises, c'est incroyable. De toute façon, on va s'en arrêter là pour cet épisode les amis. Évidemment, mais vraiment un épisode de zinzin. Hein. Plus on avance, et plus c'est dingue. Bah, plus on comprend le jeu aussi, forcément, ça crée des liens. Hein. Ça me paraît assez cohérent. Je sais que tes visites au réacteur n'étaient pas fréquentes. Tu étais toujours dans ton atelier. Mais je peux te suivre grâce à ton bracelet et te guider. Parfait, elle va nous être d'une grande aide. Mais on est déjà allé là, souvenez-vous. Mais on était déjà là, mais bien sûr. Mais putain, c'est pas possible. Et là, il y avait des les trucs qui explosent là. Mais on a déjà safe la zone. Mais on y était déjà. Mais non, mais attendez, mais je suis mort. Je suis mort. Ah, il y a un mimique. On était déjà là, les gars. Hein. Il est où le mimique? Je ne sais pas. Mais il y a un mimique. On était déjà là. Eh oui! T'es où, mimique? Mimique? T'es où? Non. Bah, je sais pas, il y avait un mimique. Ok, on n'était pas, on n'y était pas allé encore parce qu'on avait un peu peur et puis c'était pas notre objectif principal. Toi, t'étais pas là avant, toi. Tu me cherchais? Ouais. C'est quoi cette histoire avec le bureau de Mikaïla? J'ai rempli un rapport d'incident. Je suis sûr qu'il est très bien écrit, mais j'ai pas le temps. Il faut que j'envoie une équipe de l'autre côté de la brèche. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'un trou de balle au fond d'un puits paraît plus éclairé en comparaison. La résistance de mise à la terre a grillé. Change-la, ça devrait relancer l'éclairage. Autre chose? Ouais. T'as l'air secoué. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai déjà essayé de changer la résistance hier. Et? Et... elle a fondu, c'est devenu une espèce de gelée. Ça sentait le cul grillé. Bordel, Lan. Tu l'as pas mis dans le rapport, si? Écoute, faut que je dorme. De toute façon, j'ai fini mon quart. Peut-être que t'auras plus de chance que moi. Incroyable. Allez, les amis, on va s'arrêter là. Pour cet épisode absolument incroyable. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, bombardez-moi cette barre de like, je compte sur vous. Dans le prochain épisode, direction la salle de contrôle du réacteur. Mais peut-être d'abord faire un tour ici dans le power plant monitoring. Parce que je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Je me suis chié dessus. Mais c'est, ça sort d'où ça? Ça sort d'où ce truc là?
Donne-moi ça, toi. Ça sort d'où, ça? C'est le mimique supérieur, peut-être? Mais, oh, wesh. Oh, regardez, j'ai encore trouvé un accès incroyable. Allez, les amis, plein de bisous. Et à très vite, c'était Mkolo. Ciao, tout le monde. T'as kiffé cette vidéo d'Mkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mais la cache nouvelle vidéo en ligne à 16h.